Bonjour YouTube et bienvenue pour un nouvel épisode sur Breath of the Wild. Nous sommes encore sur les quêtes secondaires. Si j'étais sur le bon bouton, vous inquiétez pas, ça va finir par se passer. Donc, il nous reste principalement des trucs comme ça, mais on a encore quelques trucs comme ça. Donc, je pense qu'on va faire ça pour la simple et bonne raison que j'en ai marre de le voir là. Voilà, du coup on va le faire. Alors le premier truc, c'est le ciel nocturne au sud depuis le centre du grand pont. Alors le centre du grand pont, il est quelle heure? Midi. Ah ouais, mais il pleut. Est-ce que chez vous il pleut? Que je puisse passer le temps. Ce serait bien s'il ne pleuvait pas. Alors, ah, il pleut pas. Il ne pleut pas. Tension. Ah, ils ont la même couple les deux. Jusqu'à la nuit. Bonjour à toi, Johan. Comment vas-tu? Je sais pas si t'étais là depuis le début, mais pour l'instant, on se concentre sur la quête, tu sais, qu'ils ont mis avec une mise à jour de... je vais y arriver. De Gearblade. Non. Attends. J'ai oublié le mot, c'est une... Xenoblade, voilà, c'était le Xeno qui passait pas, je sais pas pourquoi. Alors, on nous a dû au sud... Ah mince. Oh, j'ai tout, j'y crois pas. Tout est en fer. Alors, faut qu'on regarde au sud, tout en étant au centre du grand pont. On pense que le grand pont, quand même, ça va être celui-ci. N'hésitez pas à me dire si vous êtes fluide, si vous m'entendez bien. Normalement, c'est le cas. Génial, il y a un... En même temps... À côté. C'est peut-être pour ça qu'il y a de la foot partout. Donc on regarde au sud. En regardant le ciel. Tu peux utiliser la lumière à tout moment. Ah, c'est des petits ralentissements. Oh, c'est génial! Il avait un truc en fer sur lui. Du coup, oh, c'est génial. Du coup, il s'est fait frapper par la foudre et il est mort. Non, saute pas en mode plongeon. On n'est pas passé loin. On est passé à deux cheveux. Ça, c'est pas deux cheveux, mais bon, c'est pas grave. Alors, premier coffre. Oh, il est tout rouge, du coup. Le casque de récupérateur partenariat avec Xenoblade Chronicle. Je vais jamais y arriver, désolé pour Xenoblade. Donc Xenoblade Chronicle 2. Un incontournable pour celui qui traque
les trésors de la mer de nuages. Il s'agit d'un article précieux et difficile à se procurer. Bah ça, à chaque fois ils nous le disent. Alors, l'autre, c'était ce bouton-là, hein. L'autre, c'est ciel nocturne à l'est depuis l'œil gauche du crâne. On va y arriver. L'œil gauche du crâne. Ah, mais du coup, là, on a l'œil droit, donc va falloir qu'on descende un peu. Alors... Je crois que sur ma partie, je n'ai jamais fini cette quête. Il me manquait toujours un. J'avais deux pièces, mais j'avais pas la troisième. Et ça me faisait chier parce que... il y avait le truc qui était là. Alors, il faut que j'atterrisse. Alors. Wow, wow. Il est là, le... L'œil gauche. Attends, mais c'est son œil gauche à lui ou mon œil gauche? L'œil vraiment de gauche. Bon, au pire, on peut se re-téléporter. Hein. Alors, faut qu'on regarde à l'est. Est. Ah, ça va être son œil gauche à lui, je suis sûre. Ça va être son œil gauche à lui. Attends un petit peu quand même. Sait-on jamais. Ça va être son œil gauche à lui. Ok. Plein est là. C'était bien est, hein. Que je dise pas de conneries. De l'œil gauche du crâne, ouais, est. Alors, est-ce qu'on peut tous les faire en une même nuit? Oui, tout à fait. Oui. On l'entend. Ah, j'y crois pas, on l'a entendu. C'est juste, mais ça passe. Ça passe. Bah tiens, Mélo, viens avec moi. Allez, hop. Est-ce que tu vas vouloir monter ça? Tant pis. C'est juste à côté, c'est pas grave. Non. Laissez-moi tranquille! Vous ne vous avez rien fait! Mais laissez-moi tranquille! Bon, il dit toujours la même chose. Alors, le prochain, c'est le ciel nocturne au sud-est de la plus haute montagne enneigée au sommet perforé. Alors, la plus haute montagne... Voilà. Au sommet perforé... Non, ça va pas être là-dedans. Hein. C'est plus haut, ici. C'est là. Je crois que c'est celle-ci, le sommet perforé. À moins que ce soit tout là-haut. Oh, je sais plus du tout. Déjà, on va se mettre en bonne tenue pour ne pas crever de froid. Ah, on n'a toujours pas acheté de bijoux. Génial. Du coup, on va se mettre ceci. On va se téléporter
Parce que ici, il n'y a pas de sommet perforé, je crois. Non, non. Il n'y a pas de sommet perforé. Et ici, il n'y a pas de sommet du tout. Il va falloir qu'on laisse les phases, d'ailleurs, les épreuves extrêmes de force. À un moment donné. À un moment donné. Commencer à avoir du bon stuff. Ah mince, je crois que je me suis mis sur celui qui est tout enfermé. Yep. Tu peux... Ah non, tu peux pas... Bon, on va forcer un peu. Vous vous demandez si je... pourquoi je ne tape pas? C'est parce que j'ai pas envie d'abîmer mon arme. On va y arriver. Je vous en... Vous inquiétez pas, on va y arriver. Au bout d'un moment, on va peut-être passer à travers. Ça va créer un glitch, allez. Oh, ça crée pas de glitch. Oh si, on a avancé. Ah là! C'était toi le sommet perforé, je crois. J'espère que je me suis pas trompée. Génial ce courant d'air ascendant là. Comment ça? Génial. Est-ce que tu es une montagne au sommet perforé? Non, 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 non. Ne fais pas attention à moi. Non, toi tu es juste un éperon. Merci pour la lance. La lance, la flèche. Est-ce que tu es considéré, toi, comme un sommet perforé? De toute façon, on va vite le voir. Voilà. On peut monter comme ça. Ça ira plus vite. Un sommet perforé. Hein. Y a un corps au goût, ça c'est sûr. Donc, on nous demandait. Oh, mauvais bouton. Au sud-est. Ça va pas être celui-là. Hein. Je pense pas parce qu'il est pas perforé. Est-ce qu'on en voit un perforé ici? Déjà on voit un sanctuaire. Mais il est pas du tout perforé celui-là. Que ça c'est celui à l'arbre. C'est peut-être celui-là le sommet perforé. On va tenter là. Et en même temps, il était où le sanctuaire? Voilà. Du coup, on va pas là-bas. Alors, comment ça se passe? On voit rien du tout, c'est ça qui est bien.
Heureusement que j'ai 3 barres d'endurance. On y arrive bientôt. C'est ça ? Est-ce que tu es considéré comme un sommet perforé ? Tu ne vas pas être un sommet perforé, toi, j'ai l'impression. T'es tenté ? En même temps, il y a le Korogu qui s'excite. Et le... Mais j'ai pas lâché, c'est pas vrai. Ça a battu ici. Bonjour à toi, Doudou. J'espère que tu vas bien aussi. Et j'espère aussi que je ne vais pas te déconcentrer dans ton travail. Alors, nous, on cherche un sommet perforé. Parce que j'ai pas du tout mis le bon. Moi, je voulais aller celui-là au départ. Non. Je sais plus. Je crois que c'est celui-là le sommet perforé. Je suis pas sûre. On va aller par là. On tente des trucs, comme on voit rien. Alors. Est-ce qu'on peut voir un sommet perforé ? Parce que nous, c'est ce que nous cherchons. Il est perforé celui-là ou il est pas perforé d'après vous? On voit rien. On voit entre les deux trucs. Oula. Pic nord des bras. J'ai l'impression qu'on va s'écraser avant. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Allez. Sur l'élan. Oh, il voulait pas. Il a refusé. Mais oh, Mélo, franchement. Il y a des claques qui se perdent, Mélo. Moi, je te le dis. Non, à la violence animale. Ah, il y a un sanctuaire à proximité. Est-ce qu'il ressemble à un sommet perforé? Ah bah... je sais pas. Non, fonce pas dans moi. Est-ce qu'on t'a pris en photo, toi? Oui. Alors, le détecteur de sanctuaire, il dit peut-être pas. Attends, tu peux... Tu peux courir là-dessus? Oui, il peut courir. Mais si, tu peux courir. Non, tu peux courir. Oh! Méchant! Là, tu peux courir. Mélo! Chiant ce cheval! On se prend des tatanes du cheval! Voilà, merci. Je sais pas si ça ressemble à un sommet perforé, ça.
En tout cas, on l'aurait visité. C'est peut-être un corbeau à faire. Ah. Youpi. Merde. Trop tard. Plus de réactivité, s'il te plaît. Je crois qu'il reste pas assez longtemps là où je veux le taper. Ouais. Il reste plus longtemps là. Sale sommet perfor. J'avais vu un truc. Ça peut pas être ça. Tu gâches la vue, Corbeau. On voit rien du tout. On voit rien du tout. On va essayer au sud-est. Hein. Au sud-ouest. Sud-est. Non, ça ressemblait pas à un sommet perforé, c'est vraiment pas un sommet perforé. À moins que tout simplement le sommet perforé ce soit tout simplement, maintenant que j'y pense, ceci. Sinon, c'est ça que je connais comme sommet perforé. Enfin, il est là, mais... Voilà quoi. Oh, il y a encore un sanctuaire ici. Et normalement... Je sais plus si c'est... Ici. Je crois que c'est ici plutôt. Ouais. Non, je réfléchis toute seule, vous inquiétez pas. On va aller faire l'autre là-bas. Alors, il y a un Stalinox en même temps, je crois, ici. Je suis pas sûre, mais... Non, c'est pas vrai, il y a un sanctuaire. Oh, il est là, le Stalinox. Ah, si jamais on tombe, il y a un truc pour nous monter. Attention. Ouf, il est bien sous la neige, celui-ci. Hein. Sanctuaire de IA. Deux fois, j'ai des problèmes. Justement, je crois que c'est le fait d'avoir pensé que de ne pas mettre le OU avant le I qui m'a fait le mettre à l'envers, voilà. Tout simplement. Pas tout. Alors, qu'est-ce que cela est ? Preuve extrême de force. Preuve extrême. Pendant ce temps-là, lui, il continue son truc. Du coup, il me remet les...
je peux y arriver. La musique. Est-ce que moi je suis avec attaque plus 14, 12. Là on est à 20. Parce que là on descendrait à 42. C'est lequel? C'est celui à 12, ouais, qu'on descend. Oh, c'est pas un où il y a des... Ah, c'est... Par contre, c'est un où il y a ça. Un truc comme ça. Oh, trop tard. Oh, je l'ai fait pendant, méchant. Méchant monsieur. Wouh. Attends, attends, attends. Attendez, j'ai pas la bonne arme. Du coup ça. Oh. C'était pas voulu. C'est toujours quand c'est pas voulu, voilà. On fait des moves stylés quand c'est pas voulu. Mais je suis en fait à 3 km quoi. Attendez, 30 secondes. Voilà. Pas y arriver. Bonjour à toi, Livy. Et bienvenue. Oh, fais n'importe quoi. C'est pas dans mon sens pour moi. Hein. Ah pardon. C'est moi. Hop. Nice. C'est la caméra qui s'est levée. Oui, j'ai réussi. Comment tu sais, Link possède une jument et pas un Lamborghini custom. Ah pardon. Je fais n'importe quoi. Je suis en train de te lire. Tente une blague que je ne comprends pas parce que je suis je suis concentrée. Voilà, je l'ai senti venir. Ah, tu vas trop loin là, Link. Bon, on va casser ça là-dessus. Hein. Attends. Attends, mais... D'accord. Parce qu'il est rude. D'accord, je fais des trucs comme ça. Ah, pas d'or, d'accord. Là, je suis assez loin, là, quand même. Là. Mais Link, t'es énervant. Mais pourquoi est-ce que t'es... Ah, c'est parce que, d'accord. J'avais pas remarqué, désolé. Oh, comment je l'ai. Ah, il va tirer. Oh, je l'ai... Oh, en même temps... Oh, comment c'était violent.
va récupérer ceci. On va vérifier qu'on a tout pris en photo. Voilà. Et si on a de la place, on va prendre ceci. Alors, qu'avons-nous ici? Oh, ça fait brut. Ce qu'il faut, c'est s'avancer jusqu'à ce qu'il y ait le petit message pour te dire d'examiner avant d'appuyer sur A. Trop de précipitation. Deux. On est en train de crever de froid. Je viens de comprendre ta blague, Givy. Voilà. Donc, tu sais, je vais la relire pour YouTube. Donc, Givy, la douceur, nous disait, tu sais pourquoi Link, il possède une jument et pas une Lamborghini custom? Parce qu'il roule pas sur l'or, voilà. Je viens de comprendre la blague. Voilà, maintenant je suis plus concentrée, j'ai compris la blague. Vous voyez, j'ai posé le truc quasi au hasard. Ça a marché, c'est pas grave. Alors. Du coup. Ah bah on va prendre le. Et du coup, après, Livy, il a dit il y a pas de problème, mais il y a écrit comme la déesse il y a, voilà. On aime les jeux de mots. Est-ce qu'on peut monter plus haut? Pas monter plus haut. Oh, bonjour. Je m'attendais pas à vous. Wow, wow, calme-toi. Alors, il y a quoi là-dedans? Une halbarde de chevalier. Non. Je peux peut-être éviter de monter comme ça. Ce serait peut-être une idée. On peut y arriver. On va reprendre de la hauteur. C'est vrai qu'on est tout en bas ici. Je peux pas me... J'ai éclaté là. Oui, tu vas y aller. On met ça. C'est où d'après toi que t'as un sanctuaire? Plutôt par là. Salut! Bah, c'est celui que j'ai mononoté, je suis sûre. Non, il est un peu loin quand même. Il y a un sanctuaire dans le coin. Attendez. Alors... Ah ouais, il y a un sanctuaire pas loin. Ah, donc si, c'était bien à côté. C'est bien ce que je me disais. Alors ça va... Ça va, c'est pas sonné pendant encore un moment.
parce qu'il y a un truc à faire avec. C'est un sanctuaire à... À quête. Je vais y arriver. Je sais pas pourquoi je bug comme ça. Et du coup, nous, il faut qu'on traverse la montagne pour aller de l'autre côté, mais ne pas trop descendre. Des baies là qui traînent, on peut pas y résister. Non, calme-toi. Alors, au départ, nous on était partis pour les quêtes. De Chronicle, mais c'est pas grave. Alors. C'est bien ici, hein? Oui, c'est bien ici. Donc, il faut passer par là, et pour ça, il faut détruire la porte. Ouvrir la puerta. Avec des boules de neige. Boules de neige que nous trouvons. Je sais plus d'où on les lance. Pas par là. Bah par là tout simplement. Je crois. Moi que ce soit tout simplement par ici. Ah c'est tout simplement par ici. Par exemple il y en a une là. Elle est censée descendre jusque là-bas. On voit un peu la porte d'ici. Ici, c'est un très très mauvais point pour la lancer. On va finir éclaté là, la boule de neige. Là, là on voit la porte. D'ailleurs ça doit être une... C'est une Winsonai ça je crois. Ouais ça m'a l'air d'une Winsonai. Donc on va remonter la pente. Voilà, il y a des bulles ici. Attends. Du coup, on va se remettre du chaud pour éviter de faire fondre la boule. Faut pas faire fondre la boulesse. Est-ce que ça va être suffisant? Premier coup. Premier coup. D'accord. Sanctuaire à l'intérieur. Mais il n'y a pas que ça. On peut la voir d'ici. Oh, tu pouvais pas tenir Link en équilibre là. Bon là ça devrait suffire. Voilà. Et la baleine des glaces. On a toutes les baleines. Comme ça c'est fait. On était à côté, autant faire d'une pierre deux coups. Bon, au départ, on n'était pas parti. Il doit y avoir un Kouroukou d'ailleurs là-haut. Ah non?
que tu es un menteur. Sanctuaire Tokumo. Bon, on va enlever ce masque dégueulasse. Voilà. Alors, on est à 40 minutes d'épisode déjà. J'aurais voulu... C'est une bénédiction. Oh, cool. J'aurais voulu quand même prendre le dernier truc de... Si je voulais voir ce que j'avais en tout. Attends. 15 de lancer. Qu'est-ce que je lance? Les lances, bien d'en avoir au moins une comme ça. J'ai pas assez de Korogu, je crois, parce qu'il m'en fallait 22... Ouais, il m'en fallait 26 ou 28, je sais plus. Vers les 30, en tout cas. Nous en sommes à... Grand fossile débat. Mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas de Korogu? Il y a toujours un Korogu sur les grands squelettes. Et Motu? Mutant. Ah bah quand même. Quand même. Ah, ils m'ont fait peur l'histoire d'une seconde. Où il est? Non, c'est pas pareil. Il me ferait plus chier si c'était pas ici. Ah, il nous fait plus chier là. Ah, il est là. On va devoir remonter, d'accord. C'est pour ça qu'il est plat celui-là. Vous remarquerez que c'est pas les mêmes. C'est pas tout à fait les mêmes anatomies entre les différentes. Ah si si, c'est juste qu'il est de traviole, d'accord. Il vient de tilter qu'il était de traviole. Là... Ah génial. C'est la dernière où elle a l'air blanche. On monte sur son arcade sourcilière. C'était peut-être son épaule. Oui, c'était son épaule. Il n'y en aurait pas un autre. Je vais tricher. Non, il est pas dedans. D'accord.
bien placé. Mais bon. Du coup, nous, ce qu'on va faire... c'est qu'on va essayer, tout simplement, la montagne de l'Anel. Avant d'aller voir une solution pour pas perdre trop de temps. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais c'est juste pour pas... Il passait des heures. Eh bonjour, ne faites pas attention à moi. J'ai gardé mon masque débile, mais ce n'est pas grave. Mais donc... Bah oui, forcément. On peut peut-être aller dedans. Est-ce la bonne montagne perforée? Ah, il fait plus nuit. C'est peut-être ça le problème. Attends. Point culminant. Non, c'était le point culminant des bras. Bah. Ça a pas marché quand on y était. D'accord. Je me disais bien que j'avais des souvenirs que c'était là-bas. Mais visiblement... Allez, 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 allez. On va passer à travers. Ça marche pas. On peut pas encore monter dessus. Ça glisse. Ouais. Ça glisse. Bon, bah on repart du premier point d'où on est parti pour ce coffre en particulier.
espèce de... Ah bah, il y a Ordine là-bas. Je me laisse porter par le vent. Tu peux courir. Là, on se fait un petit feu de camp. Je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud. Je voulais pas te parler à toi, je voulais te faire cramer. Psst, c'est Kourgou, non mais franchement. Au sud-est. Le château d'Hyrule, quoi. Je regarde. J'attends. Tout à l'heure, ça voulait pas parce qu'il y avait le Kourgou. Voilà. Il y a le Kourgou qui a tout niqué. C'est la faute du Kourgou, tout ça. C'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. D'accord. Donc, je voulais voir à quoi ça ressemblait, cette merde. Bah oui, il a froid là, mais... Mais quoi ? Attends, on va enlever les armes. Ils ont même fait tourner le... Ils l'ont fait bouger, ça. Ça, c'est bien fait, par contre. C'est spécial. C'est très steampunk dans l'âme. Mais c'est pas... Bon, ça doit être en rapport avec... J'ai jamais fait Xenoblade Chronicle 2, j'ai jamais fait. Donc ça doit être en rapport avec... Donc on va se remettre bêtement chaud. Et du coup, YouTube, pour pas te faire un épisode trop long, nous allons nous arrêter là. Je pense que je vais encore continuer avec le live. Donc ce sera l'épisode prochain, ce sera encore la même session. En tout cas, YouTube, merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve une prochaine fois pour... je sais pas pourquoi, mais on se retrouve une prochaine fois. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, commenter, faire un petit coucou sur Twitch, ça ne coûte rien. En plus, tu peux venir follow et venir pendant les lives, comme ça t'as pas à en plus regarder les les VOD. Un petit follow, c'est gratuit, c'est comme l'abonnement sur YouTube. Bref, encore merci YouTube, à bientôt.